Monsieur Dame Tangle Cookie. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcy Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, des vestes cérémoniales et des bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillements de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcy Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcy Style de Rêve livre également dans toute la province de la République démocratique du Congo. Arcy Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférence. Comment retrouver la boutique Arcy Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcy Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcy Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcy Style de Rêve, c'est la classe. Merci beaucoup, chers compatriotes. Bonjour et surtout bienvenue sur Edem TV officiel, sur Edem TV, votre chaîne. Edem TV officiel aujourd'hui en deuil. Pourquoi? Puisque Edem TV officiel vient de perdre l'un de ses partenaires majeurs ou l'un de ses partenaires vraiment permanent, Maître Eli Kongolo, qui a connu un accident de circulation. Maître Eli Kongolo n'est plus. Nous allons rendre hommage à ces combattants de la vérité dans la deuxième partie de notre mission. Chers compatriotes, nous sommes là, nous allons vous révéler des choses aujourd'hui concernant ou à propos au sujet de la sortie médiatique de Martin Fayulu et Mouzito. La déclaration de Martin Fayulu, peut-être les gens n'ont pas compris, mais moi j'ai compris quelque chose. Senko Matata Katumbi disent la même chose, mettent pression sur Félix et il y a un jeu qui a été joué. Et aujourd'hui, je vais vous révéler des choses. Chers compatriotes, restez toujours avec nous. Troisième thématique, Christian Tshisekedi. Christian Tshisekedi, ou Azalele qui est président de la République, aujourd'hui, Bakomi Kosa de la Enyonso, Yamabe, pour n'a ko bébé sa image, Yamokonzi Amboka, peko n'a ko bébé sa image, na yemoko Christian Tshisekedi, cher Congolais, est-ce que Christian Tshisekedi, Azana Kati, Yako Bengana Batuna Bandako, Tote, on va en parler ici, avec vous, sans complaisance. Alors, nous sommes toujours là, ensemble avec Eric Tshiswaka, de père et de mère, comme d'habitude. De père et de mère. Original Stéphane Balamangue. Ouais. Tout ça. Tout ça, dans le sujet de l'Abissou Alibosso. Si je n'ai pas l'Abissou Alibosso, je vais d'abord dans Christian Tshisekedi. Ok. Ouais. Christian Tshisekedi, Azali, jeune frère et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Il y a une vidéo qui circule sous la toit pour bien dire que Christian Tshisekedi a tindi batu, ba bimisa batu na bandako, soit disant que bandako les a yayi. Ok? Maintenant, mouton a sali vidéo qui est tamboli, et tout le détracteur et président Félix Tshisekedi. Tout le monde est contre le régime de Félix. Par quel moyen qu'on nuire à Félix? Le peuple d'abord Talaboy. Je dois dire ceci au sujet à dossier où il y a Christian Tshisekedi. Christian Tshisekedi, Azali, frère et président de la République. Le président Félix a fait signer Abotamina Bayaya, Abotamina Baleki. Alors, et le cas où ça la batou est allé nini. Batou ba mesenaki na régime, ya Kabila, ya Zoé, ya Jeannette.
Batubazo confondre régime. Natango un régime ya Kabila, Zoé, Azoya Nandela était capable ya garde naye à Beti Mutumasasi, à Beta roulage. Ouais, à l'équipe est sans problème. Bah, l'équipe est sans problème. Et Mutumo côté à Kolobela Yango. Olandi, Mutumo côté à Kotuna Yango. Zoé Azoya Bisika et Belé, Kishasa. Rebisika et Belé, Somba Somba. Aza cité dans ma cambo ebele, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Il est cité dans ma cambo ebele. Ba trafic, ba boye. Il est cité dans ma minéré. Cité dans ma cambo ebele, Zoé Kabila. Je ne vais pas en parler. Mais comme il est, Aza qui célèbre dans ma cambo nyonso, on a comment riche, puisque si on lui demandait aujourd'hui comment il est devenu riche, à cause de la difficulté à couper bisabiso oyu, il s'est dit pesaïa comment riche. Payait-il les impôts, les taxes, y a moka oy, au ce monde. Bah, asa cité dans le trafic est belé. Je ne vais pas en parler. Alors, batuba kanisike, lokola régime ya Kabila, les acquis régime ya Kobotola, régime ya Konyokola, régime ya Koboma, les acquis régime ya bah détournement, régime ya bah gabegie financière, régime ya magamonyo sur Mabé, nandenge moko. Na régime à Félix et Kozalaka Ningiwana, les gens se trompent. Christian Tshisekedi dit, je doute très fort que Ake Kobimi Sabatouana na mapango. Aux Hollandes. Parce que Christian Tshisekedi dit, pour ça, somba lupango, ako somba lupango normalement. Que les gens nous disent que lupango oyoba bimi sabatouana, ils ont un numéro nini, ils ont un quartier nini. Et ça, la commune n'une. Ce qui est le lobby Makambouana, et ce soit le lobby Makambouana, c'est le chef du quartier pour nous que le Pangouan est allé enregistrer dans le combo Yana, Yanan. Et ce qui est après chef du quartier, c'est la commune, c'est que le Pangouan est enregistré dans le combo Yana, Yanan. Et le Lungouan est allé dans le service, il y a un cadastre partout. Et ce moment-là, c'est la question de la question de Mikanda. Où est-ce que la question de Christian qui s'est dit que nous avons assommé place ou non? Il y a un assali Makamonios. Pour ceux qui ont assommé le pang, et si tu as le bossa, c'est auprès du chef de quartier. Pour à la question, où est-ce que le pang est allé enregistrer dans le combo de Nani et consort? Mais Makamonios, pourquoi chercher à incriminer Christian Tshisekedi? Et pourquoi uniquement ce moment? Bazana kati ya koluka ba astuce oyo il faut ba charger le yango Félix Tshisekedi. Ozomona Christian Tshisekedi n'est pas dans ces choses là. Ba kenda ko lo ba les soir Christian Tshisekedi est dans le minéré, bazana kati ya osala ba minéré na katanga ekon espace katanga ekonso. Ce qui Christian Tshisekedi zaki na biloko wana illicite. Mbele biloko ebele ebima awa. Mbele Albert yuma na bibi sa ba vérité. Mais les batu yakatumbi wana babimi sa ba vérité puisque kuna bangone ba champion na ma minéré l'espace katanga. Christian Tshisekedi aza toujours objet ya ba fingaye ba koselaye makambo pona ko bebisa kaka kombo ya famille Tshisekedi. Christian Tshisekedi est innocent, n'est pas dans ces histoires. Banda to vandi na Congo, banda RDC ezali dirigé par Félix Tshisekedi. Et si bon monna Christian qui s'est dit Nanzela a béti roulage, et si bon monna Christian qui s'est dit Nanzela a tangi moutou, et si bon monna moutou aleki na ministre aleki na télévision pour le rolobake, n'a ce qui n'a l'ongo gouvernement a pour Christian qui s'est dit, et si bon monna député national a zolobake, biso moussa la biso eza, eza ta mala mala mouté pour Christian qui s'est dit, et si bon monna baki kous polluer ma pango ya batte conso pour Christian qui s'est dit, non, qui n'a pas ce que tu vois là. Espace mobimba wana ezala kana bato o bazar place wana oyo bakolo isika wana ba tilelo bazaka bazombongo na bango te ba trouba problème ezala ka oui bato azaka na cesse o balobelaka pona makambo kina kati wana. Est-ce que possible yo ka Christian Tshisekedi na makambo wana? Pourquoi on veut gâcher tout simplement réputation ya moto, gâcher image ya moto kaka pour les intérêts politiques? Les politiciens congolais, lorsqu'ils manquent à faire, bakoma kokota na ba bassesse. Laissons Christian Tshisekedi évoluer librement. Moutoua batou, azana problème na moutouté. Au contraire, bangoni moutoua zout tombo la kombo na yi, moutoua ngaye, a se fassa na yi, a zakata na batou, na problème na batouté.
Tu vois comment? On est en train de chercher par où diaboliser le régime de Félix Tshisekedi, diaboliser son frère Christian Tshisekedi et diaboliser la famille Tshisekedi. Tout à fait. Non. La famille Tshisekedi, c'est une famille qui a grandi na logique peine à état de droit. Puisque leur père n'était pas corruptible. Leur père luttait pour le bien-être. Ozomona. Leur père luttait pour l'aisance, le bien-être du peuple congolais. Yo sura Tshisekedi a botola ki mutulpanga. Siko Christian Tshisekedi a kinosala makamwana pour chercher quoi? Il faut que tu souvaye baké. Christian Tshisekedi a utaki na nzalate. Ozomona. Azana leko uzoya ko sutukela la pouvoir te. Puisque azali déjà mutu oya ko lina ki na poto na kozonga na ki Congo. Du fait que papa na bango asalaka pe mutu nzalate. Azana mutu oya azalaka ministre na mboko oyo. Premier ministre na mboko yo basa ba to ba kolina pas cité basa du moins bana oyo ba kolina ba boti na ndako ya politique pour na koloka bien-être ya peuple congolais. Tout à fait. Ce sont des gens qu'on doit respecter. Ce sont des gens où il faut to zalaka na lolemo kilo avant to ba makambo lokota contre bango. Non, se comprendre ba tout pourquoi bazo côté ça na makambo buzo ba wana. Ozomona. Et j'aime et les journalistes même au Abimisi Makamonyo Swana puis Romain Roland. Il n'est pas son premier forfait. Aloba awake Albert Puela a sengaka Janine Mabunda Mbongo pour a retirer motion au Isaki pour na ayeba état financier et assemblée nationale. L'air Puela a fonda ces journalistes, ce fameux journaliste puis Romain Roland. Voilà. Abimisa Vérité, Abimisa Preuve, était incapable de brandir une seule preuve. Incapable. Et au finish, et comment dire, Basenga, pardon. Basenga, pardon. Asenga, pardon, pour la aya pour retirer le dossier, Abimisa. Il était jusqu'à où? En prison. Mais maintenant, les lots, bas service, il y a Christian Tshisekedi, bas fundi. Puisque ils ont une diffamation, ça cherche, y a que baby sa réputation y a moto. Na niveau bango basali sont déjà un peu trop sensibles. Pourtant ils ont baby sa image naie, ils ont un impact négatif sur l'image du président de la République. Pour bah que le famille naie, bande konaie, baleki naie. Pourquoi chercher à gâcher l'image d'une grande personnalité comme Christian Tshisekedi aujourd'hui au pays? Il fait partie de la famille présidentielle. Mais un peu du respect. Un peu du respect. S'il y a à dénoncer, il faut avoir vraiment des preuves. Ok. Comme Pius Romain Roland a des preuves. Maintenant qu'il va porter problème de niveau, niveau et la justice. Que la justice fasse son travail. Tout à fait. La justice fera son travail et on verra la suite. Et tout ce que moi je sais est que ces garçons sera arrêté. Parce qu'il n'a pas ses preuves en question. Le chantre de Kabila ici n'a pas de preuves en question. Où est-ce que ça qui est Christian consort. Non. Non. Aux hommes. Non et non. Mais il faut que pas la que ça militaire ou bien ça la macamonio soit. Ou bah tindi bah on n'est pas à Christian qui sait. Non. Botika, que ça la campagne Yamabe contre Christian qui sait. Le qui est président, c'est un monsieur responsable qui fait correctement son travail dans ma cambounaie, dans ma service, puisqu'il est bien organisé. Ce qui a posé à Kosomba le pango, Christian Tshisekedi va s'acheter, se payer une parcelle. A Rokin de Kobimi Sabatou dans ma casse, et sa famille Kabila T. Bango sont des gens responsables. Azana posé le pango, Kosomba le pango. A Kosomba. Le président Félix a vendu à Nancy. Le coup de pas, on a pas de famille. Bah, bon, il s'est là, il a bandit qu'on vende. Pour une unité à qui qu'on botte la bateau, terrain, la bateau. Ils ne sont pas là pour ça. Ce ne sont pas des gens qui sont venus s'enrichir au pouvoir. Bah, il y a là pour le bien-être du peuple congolais. Bango, basali bateau, oh, basali koyem, bah, le peuple d'abord. Basali bateau, oh, bah, colina makanisi à qu'on servir. Basali bateau, oh, yo, nda qu'on a bango, c'est la justice. Ok, tu sais que j'ai avec sa lutte, oh la tiki lui banana ye, na ba ninga na ba kamad yon soit parti,
eux-mêmes aussi sont du parti, puisque ce sont les camarades de niveau à UDPS. Ils s'appellent camarades, combattants et consorts. Moi, je ne suis pas du parti. Mais, au tout cas, la koyo kamakamonyo sur Abouzo, Babouzo Bate. Et si on regarde Christian Tshisekedi, dans UDPS, il y a un azo s'imposer. Kaboum le travail là-bas. Kaboum il y a travail. Il y aura déjà Christian Tshisekedi qui a des ordres. Non. Mais si tu as un coup qui nous s'impose, ça va être un peu. Mais si tu as un coup qui est présent à l'IDPS, mais si tu as un coup qui est secrétaire général à l'IDPS, il n'est pas là. Il fait ses affaires calmement. Boutique à diabolisation à Kindok. Boutique. Voilà. On a été mis au point. Il faut qu'il y ait ça là. Le sujet à Christian Tshisekedi. Ah, si tu as un coup qui est un peu faillé. Eric. Les gens doivent savoir. Na lobaka makamboyu. Que liboso atozo kende. Boko mona foyu na muzito babimi. Pona ko lobaka respect ya loi, respect ya constitution, respect ya calendrier électoral, respect ya boy. Si qu'on a fait comprendre bato. Katumbi fait une déclaration ya liboso. Il crache sur le bilan du président Félix. Il crache sur les efforts de la justice, il crache sur les sociales au président Zanakati à mettre en place, il crache sur les arrestations et il demande pardon pour le détourneur, pour le voleur, pour le criminel. Il demande pardon pour tous, pour tout le monde. Et il place la barre très haut pour dire que il crache sur le régime Félix Tshisekedi. Il dit du n'importe quoi. Il crache sur la justice. Il crache sur les efforts. Il crache sur les prouesses. Au-delà de tout, il demande pardon pour les tueurs, pour les criminels économiques. Il demande pardon pour les bourreaux de Chebeya. Il plaide pour Matata Ponyo après avoir détourner l'argent de Bukangalonzo. Et il demande pardon, il demande pardon. Et il veut qu'on instaure une république du pardon. Mais il dénonce également l'arrestation de Jacques Ndala. Il dit que la justice est sélective. Mais tant que Zakaran Mo tant Mouke Awa, nos positions. Mais Kamita toi l'obaka est loco. Kamita toi l'obani ni pour la justice. Oyo kaka kabila katumbi. Azo telemela oyo. Ne qu'on a bisou dans la réalisation, si on a bisou dans la image de Kamita. Qui était en demande de Pascal Beveradi, quelle réaction? C'est une excellente nouvelle, ça veut dire qu'enfin il y a une justice qui commence à être indépendante. C'est un long processus. Il faut saluer ce qui est bien. Nous avons dit nous sommes dans une opposition républicaine. On constate que depuis que le président Tshisekedi a pris les rênes et les commandes du pays, il y a des choses qui marchent bien. La justice marche mieux. Il y a une respiration démocratique qui s'exerce à travers une justice qui semble plus indépendante. Il y a bien d'autres choses qui ne marchent pas du tout, bien entendu. Mais là, il faut le saluer. Et je pense que Moïse Katumbi aujourd'hui, eh bien, il était victime véritablement d'un gangstérisme en bande organisée. Quelqu'un s'était accaparé de sa société. Finalement, après 5 ans de lutte, il recouvre son droit et ses biens. C'est à la fois un grand jour pour Moïse Katumbi, mais également pour tous les travailleurs et pour tous ceux qui sont proches de cette société qui avait été totalement spoliée. Ce qui attend ensemble pour la République, ça traîne toujours? Eh bien, la crise Covid n'a pas facilité les choses, mais aujourd'hui, je peux l'annoncer avec beaucoup de joie, c'est qu'ensemble... Bolandi Kamitatu, wana loko ezaki na bien-être na bango, ezaki na bonheur à cause de la Katumbi entreprise, la justice ezaki malam. Mais le loko la bango ba kwe na mbeba, justice wana ekangi bango, justice c'est comme mabe. On comprend le politicien congolais. Nazana schéma. Fayulu sort. Yoka avant la bande à Fayulu. Processus électoral. En RDC. Le processus électoral, la guerre contre le président Félix est à boy. Bitumba Oba Bongi si pour n'accroissant la Félix est à boy. On a cherché sur le plan social, Félix est positif. Sur le plan sécuritaire, Félix est positif. Sur le plan diplomatique, Félix est positif. Sur le plan économique, Félix est positif. Sur le plan droit de l'homme, Félix est positif. Sur le plan sécurité intérieure, Félix reste positif. Sur le plan initiative, management, leadership,
Félix reste positif. Toko kangela Félix oyo wapi. Toko lukele makelele oyo wapi. Toko sala e chantage nengeni. Processus électoral, la Senko joue au blocage. Senko batunyon sur la sangane. Oui, confession religieuse. Senko a boyi candidat ya batumususu. Ye alobi ibango bako signer te bako sale ko mokote kaka ya bango wana so tsuki ba wana lokola ba ba voter 6 bango mutu moko balongo la mutu wana tozonga lisusu na ba panye na biso to lokota lisusu mutu mususu to ya ko sale sur election. Ils ont bloqué totalement pour na élection et ça les maté. Pour na élection ya président ya CENI et ça les maté. To perdre année ya liboso. Na bandeli lisusu ke na année ya liboso tant to perda ki wana. On avait déjà perdu 5 mois. On avait déjà un retard de 5 mois dans l'organisation en processus électoral. L'air de perdre les sous une année, de perdre 12 mois. Et ça lui 17 mois. Alors, si vous avez les sous, vous avez bloqué CAC. Vous avez bloqué. Vous avez bloqué. Vous avez président Félix. Pour le président Félix, ça là, nini. Vous avez bloqué. Pour eux, c'est là que vous avez bloqué. 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 Ozomona, raison pour laquelle ils ont bloqué à tous les niveaux. Vous savez, blocage na bango. Lorsque vous dit que le président Félix ne veut pas ne veut pas comment le recevoir chez lui. Mbala moko. Balasaki. Pour ba ayamba bango. Le jour où le président Félix ayamba bango, ayambi bango te. Salini, ayambi Tony Mwaba. Le président Kei, bango batikali. Comment faire pression sur le président Félix? Fayoulou Yaka. Ça la pointe de presse. Pas de glissement. Pas de tricherie. On l'a dit. Tu vois le point de presse de Martin Fayoulou, le message lancé par Martin Fayoulou. Il faut convoquer l'électorat dans 90 jours avant l'expiration du mandat. C'est constitutionnel. Tu vois tout ça. Fayoulou est en train de jouer la carte de la Senko. Et le coup dans le lobby, et ça y était. C'est la Senko qui vient de parler pour faire pression à Félix. Que tant que vous avez un babiso, pour tout sur la toi, yokan. Oyoki koto, Fayoulou n'est pas bandit déjà. Pression est bandit. Le vrai marionnette de Manou, c'est Zarande Fayoulou. Tel temps, c'est la Kande Fayoulou. Mais tu vas te la voyer battre. Nazo dit, misère, le long en poisse. Donc, déclaration, on a mal au bois, ce n'est pas Fayoulou, c'est la Senko qui vient parler. Qui a parlé dans Fayoulou. Tout ça, pour ça, pas de glissement. Nous sommes en train de faire des appels à glissement. Nous sommes en train de faire des manœuvres, nous sommes en train de faire des appels à glissement. Il y a évité que ma confession religieuse de Moutouazo bloqué. C'est que le col a fait que ça soit Yamba, église catholique. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire des appels à glissement. Est-ce que tu vas comprendre bien? Très bien. Le col a Senko a altéré le résultat. Il y a Félix Tshisekedi. Il faut que le lobby les sous-sounine. Non seulement on a le pouvoir de faire la tricherie, mais on y baka. Lelo lisusu, au combien qu'on l'a, au long, au combien qu'on boit, au long, on a pouvoir. Fayoulou, un vrai médiocre. Félix n'avait pas organisé les élections. Comment allait-il tricher? Comment allait-il tricher? Puisque ce n'est pas lui qui avait organisé les élections. Fayoulou et Félix, tous étaient dans l'opposition. Et comment un opposant allait-il tricher? Tout à fait. Très bien. Médiocrité à Fayoulou. Tu vas comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de Kolunga et Félix qui dans le pouvoir? Il n'a que 2 ans et demi. Il n'a que 2 ans et demi. Il n'a pas de Kolunga. Ça veut dire quoi? Qui bloque aujourd'hui Senko. Na yebisa ka batu awa. Ke bozuma na juste Senko azo sal. Azo lo kande azo argument. Oui. La Senko cherche l'argument. Ay, po tellement makambo ya ko telem la Félix za li susuté. Bango te ba vendre siko na makambo ya élection. Mais ngai pe je me suis bien armé pour na la ki sa peuple congolais. Ke oza katsa ko lekana. Manœuvre nyo soza ya Senko. La personne qui a parlé, la Fayoulou, ce n'est pas Fayoulou, c'est la Senko qui a parlé. Pour faire pression à Félix Tshisekedi. Que le coup de Zoboya Yamabiso,
Chers compatriotes, s'il vous plaît, bo peke sa fayulu à la marche à 15 septembre. Le 15 septembre. Ce qui va peki si marche le 15 septembre, ba ko pe sa fayulu argument. Tout à fait. Que au moins ne ba ko peki sa biso. Que fayulu fasse sa marche. On verra. Ouais, on verra 12 personnes. Peuple congolais, où y'a qu'on a la balabala. On verra 12 personnes. On verra. Message, où y'a qu'on a le peuple congolais. Politicien congolais, Azandoki. Aza Penza Moutou, tout c'est un extraterrestre. Tu es en train de faire tout pour organiser la fraude électorale. Kabila qui avait Nanga à l'élection. Nanani, Naseni. Pour nous dire Alexa Chadari. Pourquoi Alexa Chadari était Fayulu se trompe. Le président Félix a un bilan où il a prouvé l'innocence de l'épée et mandat de Yami Balé en 2023. Tout ce que Fayulu fait à Zana Katia Koumoukosa. Simple marionnette à utiliser. Donc aujourd'hui, Katumbi fait son show. Fayulu fait également le show naïe Senko avant d'y en a azo chabango pression pour le bailler. Puis Senko est avec le 2. Le 2 va salir semblant à cause de la séparer. Oh là, à bombi la mouka koto yona nanani na dipon dipon naïe. Il est qu'on a payé avant d'une institution azo critiquer autrement. Bazo contre sa Félix confusion. Mais bazo bosse la kemoto bazo contre sa confusion. Wana. Un félin stratège. Bazou Kabazo Bungisona Félix reste un grand stratège. Je l'ai dit ici hier que Félix c'est un grand stratège. Puisque Fayulu n'a pas de leçons à nous donner en ce qui concerne le respect des textes, il n'en a pas. Lui-même aujourd'hui, Lamouka Zanango et Zayayete, mais a commis la Mouka Yayi. Il s'était approprié dynamique de l'opposition. Et Zalaka Yayete. A Claudel Loubaya. A Zalaka Makanizia. Présidence tournante. Abandonne la dynamique de l'opposition. A respecté Yango. A respecté. Kakala, c'est l'Inda qui doit respecter. Même la Genève, c'est un qui peut le bloquer. A respecté. Non. Fayulu n'a pas de leçons à donner aux Congolais. Un pseudo leader. Assis à Stili Naye. Et a commis ma casse la comédie. Puisque ça commence. D'abord, avant la banda, je tiens sincèrement à présenter mes sincères condoléances, puisque j'ai pas, je crois que vous me donnez l'autorisation de pas le faire. Pas de problème. À Maître Eli Kongolo, j'ai appris la nouvelle ce matin. À la famille, bien sûr. À la famille Kongolo et à tous ceux qui nous suivent, j'ai appris la nouvelle. Je suis tellement attristé, même si vous regardez ma manière de parler aujourd'hui, comprenez que c'est l'un des partenaires d'EDEM TV officiel et c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de choses et quelqu'un qui défendait le régime Félix Tshisekedi. Alors nous compatissons avec cette famille. Primo, là bas que ça m'a gambo Italie à Martin Fayulu. Oui, je crois que le but de l'obagi on a Marilou. Et là au moins l'obagi n'a c'est pas la lobby. Ce qui Étienne Kabila Zabo le bas, na monde y a pas idée Katumbi Azate. C'est que Fayulu n'a monde pas homme d'État congolais azate. Donc c'était quelque chose que j'ai retenu de Bevira Maro. C'était une réflexion si importante et c'était une très bonne réflexion. C'est que n'a monde pas homme d'État, il n'existe pas. Puisque ce qu'il dit, azako c'est contredire Yemoko. Il y a ce qu'on attend en français, les toibouy. C'est-à-dire qu'il y a une confusion exagérée. Il est dans le monde, les kokalan. Il sort dans le contexte de Mbébélé. Il se trouble. Dans ce blague, il y a le mot Isama Lobaki, lobby, les chargés à logistique. Abi, le mot c'est une chose très importante. Abi, ils ont le rôle là, aux enseignants. Autant que si Ban dans la 5e, dans la 6e des humanités par exemple. Autant que si pas moins la 8. Sous la 8, bon, en fait, elle aura peut-être 4e de la classe, mais mon Koulango a réussi, mais à réussir 6e de la classe. Tu auras réussi 6e de la classe à passer année, n'est-ce pas? Mais Azak a réclamé, il y a ce qu'on a que nous avons intelligents pour les gars. Mais à passer une année, ce temps a commis à l'université, Azak a réclamé toujours vérité à point naïe, à point nanga, à point nanga, vérité à point nanga. Autrement dit, mais si année si elle est qui?
bala monsieur la classe ba côté asika mais yo zo réclamer à ba point na vérité de mes points, vérité de mes points, ça n'a pas de sens. Abi c'est quelque chose qui n'a pas son existence en fait. Alors je voulais juste mettre ça pour essayer d'expliquer. Tant vous expliquer conformément idée to vision stratégie machiavélique il y a 5 ans, ils a pour se concorder et donc aux alliés aux alliés raison et à pour voir que Fayulu et les autres bah qu'ont travaillé n'engue mon abattu à 5 ans, bah ils n'ont schéma moko schéma où eux même Église catholique au sein les deux confessions religieuses 5 ans à ICC et pour n'avoir coupé un chef de l'État tant que chef de l'État boy qu'on rencontrait bango bah alliés qu'ont travaillé dans même schéma na la muka. Le bien ou mal, mettre pression sur terrain. Et quand on met une pression sur le terrain, c'est pour que les présidents se sentent non, en tout cas, il faut tout couper un tout sangan. Le schéma de dialogue est en train d'être préparé à petit fait. Donc, bazar ou la pongité, bazar pour travailler par rapport à yango. Côté yango à FCC, j'ai appris, il y a même quelqu'un qui m'a informé. Bazar peko bundali sous ma case, ce qui schéma de dialogue est l'équité, bazar de voisins moyens. Bapé ça bat toute confiance et pas maman Olive Lembe. Olive Lembe basa qu'on préparait pour la Mokonzambuka, soit candidate à la présidence de la République. RTNC, Olive a foutu à Kambongo. Moto a outi recouvre l'ancien DG, a outi recouvre soit Kabila, soit bien Kabila. Azoua Kambongo Olive pour Olive Alex Sara. Bah bloc on a une nyonge sur la campagne na Rosala qui n'est pas béni. Après si vous voyez qu'une oh initiative Olive Lembe, le monsieur qui est mort paix à son âme. Azoua qui travaille stratégiquement dans le moment Olive pour faire ce qu'on entend par la visibilité d'Olive Limbi. Par les gens qui ont préparé pour Nazala, mon conseil Mboka, n'est-ce pas, ils ont des cartes qui ont joué. Ceux qui dialoguent et s'invitent, ils vont valoriser. Il y a un moment où ils vont sortir, mais ils vont être un peu Olive Limbi et tout ça. Mais nous savons ce qu'ils font et aussi ils vont être roubarés dans nos routes. Fayulu a toujours travaillé pour le pouvoir de Kabila. Qui ne sait pas que ceux qui chassent ça, ils ont mal géré et pas, ils ont mal géré par l'ancien gouverneur Kimbuta. C'est à cause de M. Martin Fayulu qui ne le sait pas. Et même aujourd'hui, quand Martin Fayulu soutient Gentiline Gobila, ce sont ses frères. Mmh. Je vous dis que Fayulu ne soutient que ses frères Mpangi. C'est ça Fayulu, c'est un tribaliste à Kusakanate. Fayulu, je l'affirme et ne soutient que ses frères Mbangi. Je vais vous citer des gens qui sont près de Fayulu, la majorité sont des Mbangi. Ridi Mandiou, moi je travaille avec lui, ancien président, le président du PSN. Donc M. Fayulu a dribblé à Kaye pour les élections en 2008, c'est un Mbangi. Tous ces gens qui sont tout autour de lui, la majorité sont des Mbangi. Ils sont toujours... Avec Matungul, quand il est allé dire à Matungul, ça là, c'était quoi? C'était pas un pang. Matungul, il était qui? Avec l'autre ici, comment il s'appelle? Le nom viendra en Oyanga, Mozito, voilà. C'est qui? C'est pas un pang. Lui, c'est ça. Il travaille qu'avec ses pangi. Et c'est comme ça qu'il travaille. Et il travaille, Fayulu, il travaille pas pour les autres, il travaille d'abord pour lui. Et ça, on sait ce qu'il fait. Alors, aujourd'hui, il n'est pas crédible. Et je vous dis en toute sincérité, si les élections seront organisées en 2023, pour le moment, avec toute sincérité, je n'ai pas vu un candidat qui peut affronter Félix Tshisekedi. Pour le moment, je n'en vois pas, s'il faut le dire en toute sincérité. Alors, nous allons simplement dire à M. Fayulu qu'aujourd'hui, dans le monde des hommes d'État, aux actes où existaient les sous-soutés, les miens seraient de pouvoir te voir, parce qu'à perdre un peu de crédibilité, Naï. Moi, je regrette que Félix Tshisekedi, dans son temps, a reconnu les efforts de Martin Fayulu, puisque Fayulu, à un certain moment, il était profiteur pour Étienne Tshisekedi. Et quand Félix l'a reconnu, il a fait appel. Je me rappelle même là, quand Tshisekedi a commis président, il y a une église Philadelphie, à côté de Fayulu, la Fandi, pendant que Fayulu était traité déjà de patin, à Simbié dans Zoto, mon frère, à Simbié, Bakéi et tout ça, Sali Roland, dans la salle de la prière, même Fayulu a tellement pour prier pour Félix Tshisekedi, à tellement et tout ça. Avec tout ce que Félix faisait, il n'a pas compris. Donc lui n'a qu'utilisé ce qu'on attend par l'esprit de la haine. La haine n'apporte pas de grandes choses. Je vous donne un exemple. Dans Côte d'Ivoire, on a vu Bagbo Ouattara s'embrasser. Mais vous savez combien de gens sont morts à cause de Batoana Nibali? Combien sont partis? Combien? Et aujourd'hui, quand vous regardez cette image, mais à la fin, on est venu comprendre que, vous savez, l'intérêt général de la nation est plus mieux que nos intérêts individuels ou personnels. Quand
quand il s'agit de la nation, on cohabite, on coalise pour les intérêts du peuple. Puisqu'on travaille pour le peuple, on ne travaille pas pour soi. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi le démontre. Félix Tshisekedi ne travaille pas pour lui, il travaille pour le peuple. La preuve y est, je le rappelle à chaque moment, quand on lui pose la question sur son salaire, il le dit ne pas reconnaître son salaire, puisque ce n'est pas prioritaire. Il ne prend pas la politique comme un job, comme un business. Il prend la politique comme il le fait de servir. C'est ça même ce qu'on définit la politique. Gérer une cité, c'est-à-dire servir les autres. C'est-à-dire quand on est leader, j'aime la gestion des Américains. Vous savez Bill Gates, hein, ou des grands entrepreneurs du monde, vous les verrez dans une église en train de servir les uns et les autres. Ou vous les verrez dans un restaurant en train de servir. Les gens qui, comme les DFC, les entreprises comme Ford, vous trouverez que le boss, le manager, le milliardaire, en train de servir les autres. Il se met si bas. Lui ne regarde pas l'argent qu'il porte. Il regarde le fait d'être là au service. Donc, politique, c'est être au service de la cité, au service des uns et des autres. Alors que certains individus sont au service du mal. Donc, je crois certainement que ce qu'il fait, c'est une forte distraction. Vous l'avez rappelé tantôt ici. Il est coordonnateur de la dynamique de l'opposition. Or, la dynamique ne l'appartient pas. Moi, je connais la dynamique puisque j'ai été dans la dynamique de l'opposition avec l'école de Claudel Loubaya, qui était coordonnateur adjoint après Martin Fayoulou. J'ai été dans la dynamique de l'opposition. Bazaïba était là dans la dynamique. Kovu Engila était là dans la dynamique de l'opposition. Il y avait beaucoup de gens au sein de la dynamique de l'opposition. Mais Martin Fayoulou s'était emparé de ça. Très bien. On se limite par ici. Chers compatriotes, nous vous laissons le temps de suivre. Hommage à Maître Elie Nkongolo qui nous a quittés, un combattant de la vérité. Suivez ses révélations, ses analyses. Suivez comment ce monsieur a eu à servir le peuple congolais et surtout soutenir le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. EDM TV, nous ne t'oublierons jamais, Maître Elie Nkongolo. On continue à encaisser la menace. Mais cela ne peut pas faire en sorte que tout ce qui est bon, tout ce qui est défendre, tout ce qui est bon, puisque Kibumutu Yamutu Ezali n'a pas dimanche et belé. Tout ce qui est défendre, il doit y avoir. En commençant par bien Yabatu. Sénateur Batil Koboyewana, Ezana Moutou, merci, monsieur Mbouyi, c'est ça Mbouyi, non? Je ne vais pas massacrer son nom. Puisque bien on a tout droit, on va regarder ce qu'il massacre comme un mutaza suriété, à combien mutu mususu, hein, monsieur, c'est monsieur, comment est-ce wapi? Au combien qui m'a tiré le téléphone en gros, qui m'a gâté aux ao, qui m'a tiré aux ao, voilà, aux ao. Alors, c'est monsieur Mbouyi Mukandi. C'est quoi, aux ao déjà qui est, hein, non il y a du monde déjà les qui a fâché. Pour nous menacer, bah c'est le coup pour spolier immeuble naïe. Où est en avenir Londala numéro 2, croisement Willery à Lingwala. Au moment où Batil Kouboazana a un certificat d'enregistrement inattaquable depuis 2013. Aujourd'hui, 2021. Ndeko Stéphane Matondi, merci Mingi. Nalingi d'abord d'entrée des jeux, il y a précisé quelque chose. Ouais. Au coquille, qu'on comparait. Boutou na moïté. Très bien. Ça veut simplement dire que vous comparez comment moi tu tengawa Joseph Nin tout ça na habité Joseph Kabila na Yewan hein mingi Yewan na tu sais qu'édité quand même non tu sais qu'édité ouais alors ce qui va te bêler ma baby sera pouvoir ya de quoi na yo tu tanga comme je l'ai toujours dit oui baby so wa congolais et singulier moko to vanda total ape que toza batu to sa la dignité na biso ouais na to ko mona ba media ba makambo bele ba non c'est ceux qui va nous refaiter ceux qui 50 500 milliards ya dollars 50 nini ou tu ko le kaka la te awa ba fêter que 50 ans anniversaire non mais oui batu mitu na biso e mo singe ba fêter 50 ans anniversaire ya 50 ans anniversaire nde ba ça qui
500 milliards à dollars. Non, 50 anniversaire, mais ils sont en gagne les sous. Alors Kabila lobby le Congo m'a tout donné. Ah, reconnaître Yango Lelo. Ok. Ah. Que Dieu soit loué. Yango et Bissa Kabila lobby. Aza na passion ya Congo. Ah, alors mais Yango et Bissa Kabila. Oui, et c'est là continuer à coloba Yango. Mais Yango et Bissa Kabila lobby. Y a Aza na passion ya Congo. Mais Aza na jamais na passion ya ba Congolais. Yango mona batu bakufa lo la banyama, yango moni Congo e komo eza lelo. Puisque Congo so lobi Congo komo na Congo te. Congo sengeli to mona yango na kibumuti ya mutu. Batali Stéphane Gwe batali ke c'est un Congolais. Très bien. Azana musala dans la mode de vie na etale sika avant na ratala, on dit c'est un Congolais. Très bien. On dit c'est un Français. Ezali ka te naza na passion ya ko, passion ya Congo, to azala kande na passion ya ba richesse ya Congo. C'est ainsi que aujourd'hui avant d'atteindre la lobby, non, non, non. Et pèse en gagnant ça. Et pèse en gagnant ça. Mais ni n'y a pèse en congolais. Somme. Pour y a Congo et pèse en gagnant ça. Ah, okay, c'est okay. Ça la plus grande des questions. Très bien. Et donc je voudrais dire rapidement que. Le dossier à Bahati, du coup, vous avez un message. Ndeko, Ndeko Kabila agira Kambokati. C'était un affairiste. D'ailleurs, il continue à être aux affaires. Tilelo, yébi yango. Non. Yango banero mouna. Bate qui pétrole na 500 000 dollars au bate qui lia écoute kana 1 500 000 3 millions 4 millions 1 milliard écoute que la rana l'état congolais bate qui kuno yoko bate qui minerai na boye au ya sombi à investir te au ya mutuana ya écoute kana on a 1 milliard non soit na kati tout ça, c'est à dire que lui n'a fait que régner. Il n'a fait que faire ses affaires, n'est pas continuer yango. C'est ce qui fait que bateau bazala qui tout autour de lui, n'est-ce pas? Bateau de sa pouvoir n'a été, mais bango babana osa la pe moussala na bango. Yako boma, yako détruire, yako iba, yako s'enrichir indiment, puisque yemoko il était aux affaires. Ce qui est totalement différent na Félix Antoine Tshisekedi. Pour nakokota na makambu ya le pango ya sénateur Bahati Lukwebo, honorable président, ya sénat. Sénateur le papa sacré. Lukwebo, qui est le professeur des universités, pour qui j'ai beaucoup de considérations, dans le Bakayango toujours, c'est pas. Il y a pas individu. Sans il y a l'État ici, là, c'est ce qui a fait même qu'à un certain moment, il y a période d'existence, on a vu ça, Congo, et Limoa Kozala, considéré comme l'État, comme je l'ai toujours dit. C'est-à-dire, le pays a été totalement miselé, réduit sur lui-même, au point de perdre même l'essence d'être appelé un État. Et qu'à un certain moment, Congo est étiqueté qui état que sur le plan de papier. Et donc, sur le plan politique, il y a eu un recul considérable, comme dans d'autres secteurs, n'est-ce pas? Tala, après indépendance, aujourd'hui, sur base, il y a loi fondamentale, où il y a hérité qui n'a pas belge, où ils allient première constitution d'Abisso, et loi fondamentale, il y a 19 mai. 1960, relative aux structures du Congo, où ils allaient qui mettre en place l'institution politique, la structure politique, loi où ils allaient qui incomprise naba homme politique à l'époque. Et donc je vais dire Kassavou et les autres, simplement parce que loi on a transposé qui l'institution belge na Congo, alors que en Belgique c'était un monarque, un roi qui régnait mais qui ne gouvernait pas. Mais loi on a na Congo, ça ne pouvait pas prendre de la place puisque conception et à pouvoir, justement, entre parenthèses, traditionnel, où on pouvait avoir un chef fort, à savoir, on ne pouvait pas s'imaginer, Azala Kakawana, il s'est permis, il s'est lancé à poser des actes, il y a gestion quotidienne, il y a l'État, en prenant des ordonnances qui allaient dans le sens, justement, de marcher dessus la loi fondamentale. Ce qui va créer une incompréhension totale et va accoucher de cette révocation réciproque sur base de l'article 22 de la loi fondamentale qui a été abusivement interprété par Kassavoub, qui se réveille un petit matin et il révoque le premier ministre Lumumba, qui avait justement la majorité au parlement, alors que Lumumba était là par le fait du parlement puisqu'il avait reçu la confiance de ce parlement. Très bien. Dont il a été investi, et pour le faire partir il fallait préalablement obtenir sa déchéance
au niveau du Parlement. Ça n'a pas été ça fait. N'a pas été aux forces comme aux ah si je comprends bien on a parlé de Lumumba. Exactement. On a parlé de Mobutu, Musée, Félix. Et puis, vas-y. Les la période sombre de notre histoire avec Joseph Kabila. Vas-y. Et donc, après. Donc, si je comprends bien, on peut évoluer sur trois aspects. Exactement. Évoluons sur trois aspects. Exactement. Quatre prénoms: politique, sécurité, économie et justice. Exactement. Vas-y. Exactement. Et donc, politiquement, quand Mobutu prend les affaires, au début, quand il se lance aux affaires, il suspend la constitution qui était en vigueur. Et donc, la constitution du 1er août 1964, qu'on a toujours appelée abusivement la constitution de Luabo, puisqu'elle a été. Elle a été rédigée à Luabo. Luabo, c'est l'ancienne ville aujourd'hui, Kasaï centrale. Occidental, dans son ensemble à l'époque, l'actuelle ville de Kananga, qui est la capitale de la province de Kasaï centrale. Très bien. Et donc, il suspend cette constitution et il gère le pays d'un bras de fer, en dehors de tout texte, sur base des humeurs, jusqu'en 67, où on soumet un projet de constitution au référendum. On adopte quand même cette fois-là la constitution du 24 juin 1967 qu'on a appelée révolutionnaire. Mais déjà, vous comprendrez que dès 65, en 67, nous avions vécu une période de vide juridique. Or, quand on est dans une sorte de vide juridique, ce sont les humeurs des individus qui l'emportent sur les règles des droits. Et donc, le pays est géré sur base de rien, jusqu'en 67. Et nous avons cette constitution de 67 qui semblait quand même remettre un peu des choses en ordre et en respectant certains principes du constitutionnalisme. Le constitutionnalisme veut dire la démocratie, l'état des droits, la bonne gouvernance, bref, mettre l'être humain au centre de l'action gouvernementale. Puisque tout ce qui est fait et tout ce qui doit être fait doit avoir pour finalité les bien-être. C'est le président Félix que loi n'a pas retiré puisqu'il y a Zomona Chanité. C'est quand même plus grave. Comment vous trouvez ça? Et dans l'entretemps, Kamitatu ne peut pas voir Tchani, le docteur Noël Tchani, c'est tout à fait normal. Puisque le docteur Noël Tchani, c'est quand même quelqu'un d'un certain rang. Puisque Sengel Total est en face. Si c'était ailleurs, on ne parlerait pas de Tchani comme on le fait dans des réseaux sociaux où des jeunes gens vous nagent de tête en bas, des jambes en l'air, tous ces gens, les Kamitatu et les autres. Non, non. On parlerait de Tchani avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Tchani n'a jamais été président de l'Assemblée nationale ni ministre dans cette République. Mais vous ne le verrez pas un seul instant se constituer en porte-parole, même pas d'un président de la République. C'est messieurs d'un certain rang et que nous devons respecter des personnes qui méritent notre respect et considération. Puisqu'on parle de Moïse Katumbi, et dans l'entretemps en passant, moi je suis l'un des cadres de l'Union sacrée de la nation. Bien sûr, que oui, bien sûr. Et que Naza, d'ailleurs, même parmi, tant on a le bar, Naza, parmi les cofondateurs, il y a l'Union sacrée. Vous faites partie, bien sûr. Non. Je suis l'un des Congolais, depuis le début à la législature, à Félix Tshisekedi, qui ont crié haut et fort que l'alliance entre Tshisekedi et Kabila, c'était le jour et la nuit. Bien sûr. Je suis de ceux qui ont pensé que Félix Tshisekedi devait mettre fin à cette aventure-là regarder la République en face. Très et bien. Ça a été fait. Je me suis toujours attendu à Lali Nandoto, Nathalie, je me dis, attends Zambazunga Lelo. Mais j'aurais quand même apporté ma petite pierre de construction pour la construction ya Congo. Et que ça, tôt ou tard, balananga va causer la fière nango. Puisque babilili, ba image, tout ça, et kotika la kakaka. Maintenant, l'Union sacrée n'a pas été créée pour l'intérêt des individus. Si Kamitatu est au service d'un individu, l'Union sacrée a été créée pour l'intérêt supérieur de la nation. La différence. Bazo menacé pour Babima. Ce qui est Babimi, l'Union sacrée est coupée. C'est ce que je vous dis. Non, l'Union sacrée, c'est le peuple. L'Union sacrée, c'est le bien-être de non, notre c'est la majorité peuple. D'abord l'Union à l'Assemblée sacrée, nationale, au Sénat. Mon cher Stéphane, ce qui est Babimi, l'Union sacrée est coupée. Aucune majorité. Kabila a zoa majorité. Tiba aussi à justice, Bazaï n'a pas de majorité. Peuple a gagné. Même Bawissier à justice,
Bazalaki bato AMP, bato AMP. Oui bien monsieur. Ouais bien sûr. Hein? Ah c'est bazo na c'est pas bien. Même ba huissier. Alors yo rôle ba majorité ni. Bazo bien c'est pas bien masco. Kabila y une majorité où en fait autorité morale to le belaka yango de l'autre tout ça. Paternité na moza yes. Bien sûr. Oh ya mela ki bato na nous. Oui 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 oui. Et le pays a gagné quoi. Oui. Il n'y a pas de négociation entre l'intérêt général d'un peuple et une quelconque majorité. Et qui a dit que ces gens sont majoritaires? Ils sont majoritaires par rapport à qui? Puisque les lots, Naïb savent toujours qu'il y a des années. Ensemble, ce qui va bimer, le président Félix sera fragilisé. Non, pas du tout. Il est le président de la République. Si le Parlement ne le permet pas et l'Assemblée nationale, de surcroît, ne le permet pas de matérialiser sa vision. L'article 148 de la Constitution est clair. L'article 169 de la Constitution est clair. Il a plus de pouvoir qui lui est reconnu par les textes constitutionnels. Naba congolais. Vous pensez que la fin du monde, c'est ce parlement? C'est composé Nani à cause à la perdant. De personnes. Nani à cause à la perdant. Je ne veux pas entrer dans ce débat de basse classe. Nde yango, mais nde yango. Ici, je voudrais dire, mon cher Stéphane, ouais. Je ne veux pas. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas citer ma médiocrité. Ok, sans faute. Sans moi, j'aime tout le bien à ma République. Congolité, n'est-ce pas? Pourquoi Batumoko Bazan Kachako s'agiter? C'est ça le problème. Comme Congolité. C'est ça le problème. Ça veut dire que l'Union sacrée et ça les m'a quitté pour un intérêt à l'individu. Idée à la base. Il y a eloko yo o bango ba yengulu ngulu to kolonga to kolonga. Non, nous avons imaginé cette histoire, cette pensée, cette vision pour reconstruire le pays et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais alors, revenons na loi wana. Mais ndeko Stéphane, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. On a voulu quoi? Puisque nous sommes des intellectuels. Oui. Nous parlons tous jour et nuit d'un état de droit. Ouais. État de droit, Elinkolo Baete, président de la République, Salaoyo, peuple a pensionné Timakoki na kati ya constitution, puisque Ozali ko faire appartenir au pouvoir exécutif. Yo parlement voté ba loi. Yo citoyen congolais, Ozali libre ya penser. Ozali libre ya la liberté d'expression, la liberté de penser. De la même façon qu'un certain Olivier Kamitat pense avoir plus de droits. Puisqu'il sera avec un certain Katoum. Et aussi là, Oyebi Balingate Makamoussous, puisque Kamitat peut nous dire clairement ce qui d'abord, en dehors, il y a papa ya Katoum, ce qui maman ya Katoum dans la Congolaise, à l'Ape Sabiso, à Yeb Sabiso, en gros, clairement. Puisqu'il ne faut pas que la Misa Babilo Komoussous, Oyezangatina. Il ne faut pas de Stéphane. Ba vérité, et Yebani Pekotik à la vérité. Mais revenons à la loi. C'est un citoyen congolais, un monsieur, Noël Tchani, c'est un monsieur. C'est un monsieur et nous devons avoir fier. Yakozalana Batune Tiwana. Tu as vu la dame, Mbouika Bedi, qu'on vient de nommer à la Banque Centrale. Ouais. Cette République a déjà, oh, que Batou Yotangiwana, a koki, pour atteindre ta cheville. Il ne faut pas Batouba Ramassara Touba. Tu vas quitter, tu vas écrire, tu vas mikanda, poster intelligence. Quel genre d'intelligence? Puisque l'intelligence, on les met à lèvres. On a été président de l'Assemblée nationale, on a été autant de fois ministre. Qu'est-ce qu'on a produit? Qu'est-ce que cette intelligence? Oui, ministre, il y a plein. Oui, c'est lui sur ma ambassade pour mais qu'est-ce que cette intelligence a produit du concret? Du concret. Le peuple congolais. Très bien. Tout ce qui a du vague dans les réseaux sociaux, oui, tu as écrit quoi? Tu as été aux affaires. Tu peux nous dire ce que cette intelligence a servi à la République. C'est ça le vrai débat, le lot. Où il y a tout ça, la cabane des tours, tout ça. Maintenant, un citoyen congolais qui réfléchit dans sa liberté de réflexion, dans sa liberté de pensée, de conception, à l'objet, pour n'aïe, n'a pas pensé que, en tant que Congolais, et Sengel te verrier, accès à ma poste et à responsabilité. N'est-ce pas? Où ils allaient qu'on touchait la sûreté, la identité, la sécurité, la biso, la kibumutu, la biso, la Congo. Et il le fait. Dans l'entretemps, Kamitat doit savoir qu'aucune loi à travers la République
n'autorise à un individu comme moi, comme le docteur Noël Tchani, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de considération, il y a un projet, il y a un projet dans le Parlement. Lui, il n'a que conçu à Pessi député. C'est-à-dire, le député va travailler dans lui. Il est le géniteur de cette idée-là. Mais ce sont les députés qui ont mis le projet. Quand tu as un député, il y a comme un projet dans le Parlement. Puisque l'honorable qui a amené ça. Mais c'est ça aussi la démocratie. Singi Pouloulou, il est député national. D'ailleurs, parmi les députés, les miens élus, on a Kinshasa. Et c'est quelqu'un depuis toujours, dans ses analyses, au ressentir que l'intérêt à Congo est à Moussikana et qu'il y a du rationalisme. N'est-ce pas? A Memi Yango na Parlement. Mais tout doit se jouer là-bas. Maintenant, vous voulez quoi? Que Félix Tshisekedi appelle les députés. Mais ça, pour demander à Mboso de sursoir ça. Ils allient inféodation et à Parlement. Ah, donc Kamita tout pousse le président Félix à l'inféodation du Parlement. À violer le principe de la séparation et à pouvoir. Ah, ok. Vous voyez? On est à Babylon Miké, il faut comprendre ça. Est-ce que pendant le Bayango, je voudrais bien que ce soit Moïse qui nous comprenne. Mais Kamita, tu fais un peu l'effort de comprendre. Il faut comprendre, Yango. Ce que c'est que vous avez à comprendre, c'est... Naïbité. Mais je pense qu'il fait quand même l'effort de comprendre. Il faut comprendre, Yango, que en poussant le chef de l'État, Yango Sala, Babylon, Rouana, Azali, qu'inféodé le pouvoir législatif. Maître Obete, le pouvoir législatif. Stéphane, Naï, pour le Congo. Tchébé, Yakoufa, mais le lot, le Belaraye. Bien sûr. Oui, bien, Yango. Très bien. C'est-à-dire que na proposition ya Lawana. Vas-y. Ton projet ya Lawana. Ndeko Stéphane. Oyebi que dans ce pays, le loba le bela kabanya murenges. Mais le banya murenges bazwa pe nationalité congolaise. Bien sûr. Batu balinga to loba yango te, mais nous to loba ka yango ti na suka na biso. Ouais. Ils ont acquis la nationalité congolaise. Très bien. Pas ba congolais d'origine. Oui. Mais tu as vu ces gens. Moko na bango za même vice président na mboka. Ils sont nombreux à occuper. Et vous savez la suite. Oh! Mais, là, ça a même existé. Tu as fait des bâillons, des longues, des babylons. Pour la raison, il y a eu une armée comme Alelo, rwandalisé, burundisé, ce qui n'est tout ça. Il y a eu une phase de nyonso. Il y a eu une kitona, tandi, bango, babunga, babongo, dans la nature, armée comme. Oh, il y a eu tout ça. Et que tu dénonces chaque jour. Maintenant. Lobby est rwandais, au Nebayaki, puisque Babota, à chaque jour, au Bandero, on a bu sur tout ça. Aïe, à Boti, moi, na wana ya rwandais, mais à Boti, na congolaise, au Yabiswawa. Lobby, aïe, candidat président de la République, président de la République. Vous pensez que moi, na wana, à cause de la montée, mon Congo, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Toi, ça peut être exemple, Moussous. Moïse, na Bible, na ndako ya Pharaon. Moi, na Pharaon ne monte alors qu'au Takaye na kitunga na mai aya zandako allié ameli akoli wana mais mukolo Moïse amona égyptien azo beta nde kona bango et ça l'avait pas c'est pas beta ya bomai na zelo vous parlez de solo wana et puis imaginez-vous maintenant il est resté loyal na mboka na bango chrétien et tinga na sile sa susu muke Joseph bate qui est côté à côté kakenda en Égypte pas comme premier ministre. Mais, tango bande konaye a mona bangonzala. A bossala batuko, a bossala qui était premier ministre. A luka biloko pour la kouche la bande konaye. Pe avant de sa la bango et sika moko boye. Donc a infiltra, a infiltra ba égyptien.
Abonnez-vous sur RDM TV officiel.